Tout de suite, on retrouve Dorian Gray sur la scène du détour. Une interview signée Lucie. C'est inhumain. Mais j'ai choisi. J'ai choisi d'être mauvais à l'école et de faire ça. Ah, ça va quand même. Ouais, allez-y. J'ai décidé de faire de la musique parce que je ne sais pas faire autrement. Mes parents en écoutaient à foison et je n'ai pas été épargné. Je suis très content qu'ils aient écouté de la musique plutôt que de regarder la F1 toute la journée. Et voilà, ça m'a beaucoup influencé. Et mon frère et moi, on a naturellement commencé les instruments très tôt. C'est génial, merci beaucoup Dorian. J'aime beaucoup, je connaissais pas, mais j'aime beaucoup, ça me plaît bien. Je serais extrêmement mal pris si j'avais pas eu la musique. Je suis quelqu'un de très maniaco-dépressif, des grandes envolées lyriques, des grandes descentes, assez précoce en général, donc assez blasé très vite. C'est pas très bien, j'aime pas ça chez les autres et... L'avantage de la page blanche, c'est qu'on peut toujours la remplir. Et ça, c'est éternel. Et ça calme un petit peu, c'est un peu le médicament des hyperactifs. Ça donne envie de rester. C'est beau, ça détend en fait, comme ça, dans le moment de la journée, ça va bien. Ben, moi, j'aime beaucoup. Disons que les chansons se ressemblent toutes un peu niveau mélodie. Mais j'aime bien, j'adore sa voix en fait, il a une très belle voix. Un jour, on est sur scène alors qu'on était dans le public avant et c'est une sensation incroyable. Sauf que là, à 10 minutes d'entrée sur scène, j'aurais envie d'être chez moi devant un bon DVD. Parce que c'est presque inhumain comme sensation. Mais je crois qu'on est maso, on cherche ça quand on fait de la scène. C'est d'une rare violence, c'est vraiment, je pense, je ne sais pas si je le sais, mais c'est la même chose que de se prendre une bonne dose de stupéfiant. Et c'est stupéfiant. Le premier, c'est que le concert de ce soir se passe à merveille. C'est important pour moi ce soir. Le deuxième, c'est qu'une personne qui m'est chère le reste, le plus longtemps possible. Et le troisième, c'est que je puisse aller jusque le plus loin du bout avec cette carrière qui démarre pas si tôt que ça finalement.